bienvenue pour ce premier épisode sur la Gata TV Horror Show. Pour ce premier épisode, nous allons jouer à un grand classique, Five Nights at Freddy's. Donc, ce projet, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau concept test dans lequel moi, le Droid Geek, va jouer à des jeux d'horreur, d'épouvante, etc. dans le même style. Donc, le but, c'est de me mettre dans des situations stressantes, de flipper un peu, histoire que vous puissiez vous délecter de mes réactions et voire même vous faire flipper un peu, ce que j'espère. Donc on va jouer pour ce premier épisode à Five Nights at Freddy's, qui est un grand classique. Donc l'histoire se passe dans la pizzeria Freddy Fazbear Pizza. Donc cette pizzeria a la particularité de comporter des animatroniques. Donc ce sont des sortes de robots à l'apparence d'animaux fantasy. Donc là en fond on voit Freddy l'ours. Donc la journée, ces animatroniques s'occupent des enfants, les font rire, tout ça. Mais la nuit, ils ont un comportement bizarre, ils bougent. Et donc dans ce jeu, on va incarner un gardien de nuit, je ne me souviens plus son nom. Donc on va incarner le gardien de nuit qui va devoir surveiller ses animatroniques, sauf que le problème, c'est que ces animatroniques vont se déplacer. Et s'ils attrapent le gardien, ils vont vouloir le mettre dans un costume de force, parce qu'ils vont le considérer comme un endosquelette et non comme un humain. Sauf que s'ils font ça, en gros, le gardien meurt. Donc le but, c'est de survivre à 5 nuits sans se faire attraper. Donc sans plus tarder, nous allons commencer une nouvelle partie. Donc pour l'histoire, tout ça, je vous laisse regarder des vidéos sur YouTube qui expliquent très bien l'histoire ainsi que pas mal de théories. Et sans plus tarder, on va commencer avec cette première nuit. Franchement, je n'ai pas vraiment envie, mais c'est vraiment pour vous que je fais cette vidéo. Donc là, ça charge. Donc on se retrouve sur le truc. Donc on peut déplacer la caméra. Ah, un petit coup de téléphone. Donc le jeu est en anglais. Passer l'appel. Donc là on se retrouve dans le cabinet de surveillance. Donc sur la gauche et sur la droite on peut voir des boutons, donc la lumière qui permet d'allumer et le bouton porte qui permet de fermer la porte par la gauche. Donc avec la lumière en bas à gauche on retrouve l'énergie restante, donc 95%. Utiliser les trucs, plutôt utiliser chaque porte, les lumières, tout ça utilise de l'énergie. Et en haut à droite, on a l'heure ainsi que la nuit. Donc là, on est à minuit sur la nuit 1. Le but est de résister jusqu'à 5h du matin. Et vers le bas, on a la caméra. Donc là, on peut retrouver Freddy, Bonnie et Chica. Donc Freddy l'ours, Chica le poussin, on dirait, et Bonnie le lapin. Sachant que dans cet opus, il y en a un cinquième qui est là-dedans, donc Foxy le renard. Donc le but est vraiment de surveiller tous les endroits. Donc là on a que l'audio, donc on peut vraiment se déplacer un peu partout avec les caméras. Bon, qui utilisent de l'énergie bien sûr. Et on va remarquer au bout d'un moment que ces animatronics vont commencer à bouger, vouloir se rapprocher de nous. Bien sûr, il ne faut pas oublier de vérifier si Foxy ne bouge ou pas. Et c'est un peu tout. Donc pour l'instant tout va bien, ils n'ont pas l'air décidés à sortir, donc je ferai peut-être certaines coupures durant cette vidéo car la première nuit est généralement assez longue pour que les animatronics bougent. Donc pour l'instant, moi ça va, je ne flippe pas trop, ça va se corser un peu plus quand ils auront décidé de se déplacer un peu. Foxy n'a pas bougé. Donc âme sensible, s'abstenir, car bien sûr, s'il nous attrape, on a le droit à un screamer. Le truc qui fait bien... C'est pas que ça fait peur, mais rien que le bruit, sachant que là, je joue avec le son à fond dans le casque, histoire de m'immiscer au maximum dans le jeu. Le gardien sifflote. Donc il n'y a rien là. Rien ici. J'ai vraiment pas envie qu'il bouge.
S'il vous plaît, restez à votre place. En plus, vous avez des têtes bien flippantes. Comment des enfants peuvent vous apprécier, franchement ? Il est 3h du matin et Bonnie a décidé de bouger. Donc où est-ce qu'il est ? Ah, il est passé dans la salle 5, on peut le voir. Il est debout là. Foxy n'a pas décidé de bouger. Mais bon, va falloir qu'on surveille. Ah, il a encore bougé. Où est-ce qu'il est passé ? Ah là là, on a Bonnie qui se rapproche. Donc là, il est juste à côté de moi. J'espère qu'il ne va pas trop s'approcher. Donc Foxy est toujours là-dedans. Bonnie est toujours sur la cam 2A. Oula, il s'approche. Je vais fermer la porte. À mon avis, il est juste à côté. Non. Là, il n'y a rien. Ah putain, Chica s'est barré. Où est-ce que t'es ? Tu es là. Foxy n'a pas décidé de bouger. Ah, regardez, Bonnie qui est juste à côté. Si j'ouvre la porte, c'est même pas la peine. On va éviter. Il tape à la porte. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Mais non, je ne vais pas te laisser entrer. J'aimerais bien que tu rentres chez toi, sachant qu'il me reste plus beaucoup d'énergie. Faut que je puisse réussir la nuit. Donc Freddy est toujours à sa place. Chica est là. Foxy, aucun signe. Bonnie a décidé de se déplacer. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Je n'ai pas aimé ce bruit là. Ah putain, j'aime pas ça, je ferme celle-là aussi. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Il y a une petite musique de carnaval en fond, je peux vous dire que c'est horrible. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Ah, les caméras qui arrêtent pas de bouger. Freddy, lui, n'a pas bougé. Foxy non plus. Donc là, qui c'est ça? Je ne vois pas. Ça serait Golden Freddy. Ah, on a Bonnie qui est là. Plus que 9%. On va voir les portes histoire d'économiser. Il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Allez, on va essayer de résister un maximum. Et moi, il y a quelqu'un derrière. Ah, j'aime pas ça. Aide-toi de te terminer. Là, je commence à sentir la pression monter. Oula. Dans tes rêves. Ah, oh, il me reste plus qu'un pour cent. Faut que je prie. Oh non. Plus d'énergie. Ça, je le sens pas. Bon, où est-ce qu'il va arriver ? Ouf ! Il s'en est fallu peu. Allez, c'est parti pour la seconde nuit. Ah, il y a Bonnie qui a déjà bougé. Ah non, ah, pas aussitôt quand même. Freddy et Chica sont toujours là. Bonnie, t'es en 1B. Foxy, t'as décidé de rester dans ton rideau, c'est bien. Il est 1h du matin, il nous reste 82%. Faut vraiment que je les garde au cas où. On va continuer de les surveiller. Coucou Bonnie, comment ça va? Si tu pouvais rester éloigné de moi, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Donc Chica, toujours au même endroit. Freddy n'a pas bougé, il n'a pas vraiment décidé de bouger aujourd'hui. Dum, 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 dum.
Il est 2h du matin. Freddy a décidé de faire un petit soir à la caméra. Chica est passé je ne sais où. Il y a une tête là derrière, ce qui est bizarre. Foxy est toujours dans son drap. Ah, Bonnie se rapproche. Donc Bonnie est toujours là. Chica, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Est-ce que c'est elle qui est en fond? Oula, ça se rapproche sévèrement. J'aime pas ça. Donc il y a Bonnie qui est à la porte. J'ai pas trop envie d'avoir affaire à lui. On vérifie celle-là, il n'y a personne. Là. Ah. Mais regardez qui c'est qui s'approche. C'est Chica. Ah, les deux ils sont là. Ils vont s'approcher. Freddy, lui, il est toujours au même endroit. Ça commence à stresser là. Il me reste 41%. J'aimerais en garder un maximum. Les deux, ils vont me prendre en tenaille. Je le sens pas ce coup-là. Je le sens pas. Redonnez-moi les cams. Oh putain, l'enculé. Ah. C'est plutôt violent. Allez. Ça fait 17 minutes. On va continuer la nuit 2. Donc, il est minuit. On a Chica et Bonnie qui se baladent. Freddy, lui, est toujours à sa place. Donc, Chica est là sur la cam 1B. Là, on a une petite tête en fond. Foxy a décidé de ne pas bouger. Et Bonnie qui a décidé de se rapprocher. Bonnie, je t'ai dit, ne viens pas. Retourne à ta place, s'il te plaît. J'aime vraiment pas ces genres de jeux-là, en plus. C'est vraiment pour vous faire plaisir que je fais ça. Déjà, j'ai eu un bon coup de flip. Oh putain, il était juste à côté. J'aimerais bien ouvrir pour voir. Ah, ça c'est, par contre c'est un peu mal fait. Allez, va-t'en s'il te plaît. Ne regarde pas comme ça la caméra. Il a changé de position. Il a décidé de s'en aller. Est-ce que Chica a décidé de se rapprocher? Non. Oh non, non. Ah putain! Je m'en doutais, j'ai entendu le bruit. C'est horrible. Ah. Putain, Bonnie, tu fais chier. Allez, on continue cette seconde nuit.
fermer ça. Là, je le sens vraiment pas, à mon avis. Ouais, bingo, il est juste à côté. On va surveiller les deux, l'autre côté, à mon avis. Ah non, Chica. Ah, ça y est, Chica a décidé de bouger. Et voilà. Donc elle prend sa petite pause. Foxy ne bouge pas. Toi, tu as décidé de rebouger. C'est bien. Je surveille les entrées. Toi, tu es là. Foxy n'a pas bougé. Chica fait toujours la pause avec son grand sourire. Freddy, lui, ne bouge pas. Il est 2h du matin. Ça va être tendu. Il reste encore 3-4 heures à tenir. Je ne sais pas si je vais réussir. C'est tendu. Chica a bougé. Oh là, regardez qui voilà. Foxy commence à bouger. Qui sait que je vais avoir le droit en premier? Bonnie est toujours à sa place. Je vais fermer ça pour vérifier juste comment ils sont. Là, je n'ai rien à craindre là non plus. Donc Bonnie est là. Foxy fait un grand sourire. Mais je n'arrive pas à trouver Chica. Où est-ce que tu es, Chica? Bonnie n'a pas bougé. Je n'aime vraiment pas ça du tout. On va fermer les deux portes par sécurité, le temps que ça se calme. Quitte à utiliser de l'énergie. Il est là. On va pouvoir ouvrir les deux portes. On lui a fait un peu peur. Il semblerait que quand on allume la lumière, ça le fait fuir. Où est-ce qu'il est passé? Foxy ne bouge pas. Oh, j'aime pas ça. Oh putain! Le salaud! S'il te plaît, va-t'en, me fais pas ce coup-là. Oh oh! Donc là, on a Chica qui s'approche dangereusement. T'as vraiment une tête qui me plaît pas. Et je n'ai plus beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? Chica est juste là. Je ne sais pas où est passé Bonnie. Foxy est toujours là. Regardez-moi ça. Toi, t'es toujours là. Tu veux pas t'en aller, s'il te plaît? J'aime pas ça. Foxy n'a pas bougé d'un poil, Freddy non plus. Ah. S'il te plaît, Chica, va-t'en. Je veux pas t'en aller. J'ai bientôt plus d'énergie. Non. Ça, c'est pas juste. En plus, je sais que je vais me faire avoir là.
Et c'est la fin. Attention. Non, pitié, 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 il me reste plus longtemps à tenir. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Je prie le bon Dieu. Oh, je l'entends qui s'approche. Oh non. La petite musique joyeuse, histoire de faire plaisir, mais... Ça sent le bon vieux screamer. Adieu. Non, ça a bugué. Ah putain. Ah, ils abusent. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'ai pas mal stressé. Je me suis fait avoir 3 fois par les screamers. Franchement, je sais, on s'y attend, mais sur le coup, on est obligé de sursauter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire concernant à ce concept test. Donc savoir si vous aimez et si vous en voulez plus. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.